Salut à tous, c'est Nusant, c'est ce jour-là, on se retrouve pour une nouvelle édition sur la claque d'être dans le numéro 11. Oh là là là, la trop la pire bite du monde. Un petit gras pour les familles. On va pas tout de suite aller conquérir le monde pour l'instant. On va aller voir notre ami Ned Reinert. Faut aller le voir et je sais pas par où on rentre. Où est l'entrée? Please. Bon, on va trouver l'entrée. Merde. Bon, petit fail en début de vidéo. Alors, je vais pas recommencer la vidéo, hein, je suis quelqu'un d'honnête. Mais c'est chiant. Bon alors il est où Ned Wayne Marcher? Ouais, je prononce très bien son prénom. Alors. Oh, ils prennent une photo. La personne chiante. Vous prenez une photo? Bah cassez-vous. J'aime pas les photos moi. Je les ai assourdis. Non, pas du tout. Alors, ça démarre pas très dynamique, hein, sur la conquête des longs. Mais c'est pas grave. Place, place. Je veux que vous me fassiez de la place, s'il vous plaît. Laissez-moi passer, j'ai besoin de place. Voilà. Laissez-moi passer, je vous le dis. Bonjour monsieur. C'est Pierre en fait qui m'a dit d'aller lui parler. C'est à chaque fois que je me dis, ouais je ferai ça après. Mais en fait il fait des trucs intéressants. Je me disais, ouais j'irai lui parler un de ces quatre. Ouais. Ah je le savais. Soyez les bienvenus. Nous essayons de maintenir l'équilibre à Londres en suivant les cargaisons routières, fluviales et ferroviaires. Mais on a un problème. Les Blighters. Si vous pouviez avoir la bonne idée de nous en débarrasser, Londres serait une ville plus sûre. Et si vous trouvez des choses de valeur, gardez-les. J'adore les choses de valeur. Alors, on va du coup se rendre ici pour ouvrir un petit coffre doré des familles. La vidéo qui met trop longtemps à démarrer. Trop débarre. Ultime. Allez, on est pressé. Hop. Je suis qu'un tug, ouais. Je marche sur les voies ferrées, ouais. Je bouscule les gens. Ma passion. Je vais peut-être pas descendre. Alors. Attention, petit moment de patience. Putain, ça a mis 20 ans. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai crocheté. What the hell? C'était bugué. Bon, une épée en or. Peut-être qu'elle est bien. Bon. Ils nous ont donné une livre en plus. Ils ont dit, on va peut-être rajouter un peu de trucs, tu vois. Une livre. Ils se foutent de notre gueule. C'est celle-ci. Et par rapport à la mienne, elle a autant de dégâts que les miennes, non? C'est laquelle la mienne? C'est celle-ci en fait. Épée au lion d'or. C'est celle qui est équipée. Ok, donc c'est une arnaque. On a gagné une épée qu'on avait déjà équipée. Alors. Voilà donc la petite livre des familles. Et du coup, on va se rendre là. Pour faire une des missions débloquées en parlant à Ned Wynert.
Ned, why not? Bah pourquoi pas? Alors notre concept il est simple, on va là-bas, on tue ceux qui sont là, de manière assez discrète hein, à la base. Et après, on récupère ce qu'il y a. Enfin, on va d'abord récupérer d'ailleurs. Ouais, est-ce que je suis invisible? Bon, comme on est des bâtards, on va détacher ça. Mais je crois pas que je suis invisible quand j'interagis. C'est bizarre. Hop, tu ne m'as pas vu. Ah, ça a peut-être un rapport avec une compétence. Tandis qu'on me textote. Il ne s'est rien passé, tu n'as rien vu. Cette diablesse, je suis qu'une thug. Oui, on a arrêté, c'est parce que j'ai détaché la locomotive. Vous en rendrez compte plus tard. Ah, on va continuer notre chemin. Ah, il y a un peu de people. Mais je suis pas ici, pourquoi tu dis que j'ai pas le droit d'être ici? Complètement con ce que tu dis. Je suis pas là. Tu m'as pas vu. Qu'est-ce que je disais? Je suis pas là. Alors? Hop, on s'est emparé du trésor. On va devoir flamber le train, mais d'abord, si tu veux, on va tuer tout ce qui reste. C'est important. Nettoyer un petit peu. Oula, j'ai pas compris. Oh, tu m'as pas vu. Qu'est-ce que tu crois? Tu m'as pas vu, je te dis. Je suis pas là. T'es où? Pas là, t'es où? En fait, j'aurais peut-être pas dû détacher le locomotive parce que j'ai un peu foutu le dawa. Je pense qu'il y a un train qui va être bouché à cause de ça. Et en plus, je peux pas m'échapper en mode hop. Et puis, du coup, il y a le train qui me lâche ici. Hop, déposez-moi là. Du coup, on va se rendre. On va quand même faire une petite infiltration des familles. On a la flemme de faire une. Bon, on va faire une chasse aux primes. Pour... Ouais, non. On va. Ouais, je sais pas du tout ce qu'on va faire. On va les synchroniser et après, on fera la chasse aux primes. On fera. Alors, on se met au clair. La compétence. Elle sert à quoi déjà? Ah, j'ai toutes les compétences en infiltration. Et ça. C'est pas ça que je veux. Alors. Discrétion 3. La valeur de discrétion déviée est dans. Hop, elle risque moins d'être détectée. Les scénarios sont presque silencieux. En mode discrétion, Evie est presque invisible lorsqu'elle ne se déplace pas. Sa compétence de maîtresse. Ah ouais, d'accord. Il faut pas se déplacer. Faut faire ça, quoi. Alors? Ou alors faut se dé... Est-ce que ça marche en se déplaçant petit... par petits à-coups? Non mais ouais. Ouais, faut vraiment être raisonnable sur les petits à-coups. Alors? Je suis invisible. Bruh. Ah! On a réussi la mission, ça rapporte littéralement 3300 livres plus 4000. Oula, je suis un peu américain sur les bords, moi. 400. Ouais, 438 plus 44 XP. Hein, on va pas se faire chier. Gros, je sais pas que ça fout, gros tumeur. Alors. Attends, faut que je trouve un Blighters là. On n'a pas ici. Oh, point de compétence. Ah,
What? Oh shit. Et du coup maintenant un peu partout dans le monde il y a des missions de ce type, du genre celle-ci. Red Fluvio. Et du coup ça peut farmer un petit peu. Ça va servir à farmer. En cas de besoin d'XP gros. Cette calèche est tout sauf maniable. Ah si à l'arrêt elle est mais gros si tu commences à jouer un peu du joystick. Elle dérape. Pardon, j'ai pas fait exprès. Se rendre un petit point de synchronisation. On va pas localiser Thomas Blackroot. Son nom est tellement pourri. On va d'abord aller au point de synchronisation. J'ai la flemme de faire une chasse prime. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. C'est parfait. Oh, c'est de la bonne bœuf ça. Ouais donc du coup c'est peut-être l'une des dernières vidéos que je vais sortir cette semaine puisque je pars à Londres. Vous allez me dire mais Nomis s'y est déjà non je pars à Londres en vrai dans le jeu. On va peut-être pas faire ça. On va peut-être pas grimper sur des croix en fer comme ça et puis faire ça. C'est trop bizarre du coup on voit Londres Davy. C'est complètement bizarre. Du coup, qu'est-ce qu'on a à faire de bien? Une chasse aux Templiers, et ça c'est cool, ça c'est so guy, j'aime bien. Hop, toute la fois, qui a complètement foiré, mais c'est pas grave, on va se rendre là-bas. Quelle est la mission à faire? Déposer le corps de la cible dans une tombe voisine. Ah, ça me dit quelque chose. Je crois que je l'avais déjà vu. Je sais pas avec qui. Ah, c'était peut-être avec Pierre. C'est intéressant. Je sais pas si ça va être compliqué. Ouais, je l'avais vu avec Pierre. Ah, ou alors sur la chaîne de Romain. Je sais plus. Je sais plus sur quelle chaîne je l'avais vu. C'était soit Romain, soit Pierre. Mais ça me paraît bizarre que Romain soit allé à Westminster, quoi. Ouais, vu qu'il est un peu con et un peu noobie sur Assassin's Creed, c'est possible. Je sais comment nous allons procéder. Ah, dommage. Retournez-vous, please. Please. Hop, merci. Personne n'a rien vu. On se casse. Hop. Pour être tranquille, on va tuer tout le monde d'abord. Il y a pas grand monde de toute façon. Ça a l'air assez facile. En plus, Romain c'était complètement foiré. Il s'était fait spotted parce qu'il était mal caché. Gros, moi je suis champion du monde de cache-cache. Toi, t'es un débutant. T'es genre pré-licencié quoi. Hello, it's not me, je suis pas là. Ah, peut-être qu'on aurait pu choper l'autre. Ah, j'hésite. Si, on va faire ça. Vais-je réussir à me cacher? Non. Pourquoi ça me... Je pense en fait c'était pas parce qu'il s'était mal caché, c'était un bug. Arrêtez de crier vous. J'arrive pas à me cacher. Là je suis caché. Non je suis pas caché. Ah ça va compliquer la tâche.
complique un peu la tâche, gros. Est-ce que ça passe là? Oui, ça passe. Oui, ça passe. Oui, ça passe. On se casse d'ici. Oui, ça passe. Oui, le petit grappin des familles. Oui, ça passe. Petit assassinat aérien en plein milieu de la zone. Ça passe crème. Bah, lui. Lui, ça passe aussi, du coup. Au passage. Ça passe au passage. MDR. Je me trouve, ça m'a mis l'assassinat tyrolien avant qu'il soit fait. À part ça. Voilà, là par contre on est caché. On va attendre qu'il vienne. Je suis pas sûr qu'il va venir, alors. La prochaine fois, elle aura moins de chance. Ah merde. J'ai rien fait, je suis pas là. Bah viens, viens me chercher. Viens voir ici, c'est un bonhomme. C'est con. C'est très con. Hop, on va tuer tout le monde pour que ce soit plus joli. Littéralement. Non, je suis pas là. Vous m'avez pas vu. Mais tout simplement. Bah si, on peut-être un peu vu en fait. Bon, c'était quand même dans l'infiltration. On va tuer le dernier, je pense, en baston. Elle a tout bonnement disparu. Dommage. Elle est là. Oups, j'ai fait un faux mouvement. Elle a disparu. Voilà, assassinat aérien, double assassinat aérien, encore mieux. Ah, là-bas. Bon, du coup, plutôt pas mal. Hop, on se casse. On se casse aussi d'ici. Bon, on va faire un autre vu que c'est le dernier à la conquête de l'ombre de la semaine, même si on a fait d'autres choses au début de la vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Est-ce qu'on se fait le repère de bande? Je ne sais pas. On peut en parler. Ah, ça, le repère de bande. Boum, je te bouscule. Ah non, tu veux pas que je te bouscule. Voilà, toi tu fais bien que je te bouscule, c'est bien. Bravo. Allez, on va au repère de bombes. Les plans sont là-bas. Sniper ici. Getter ici. Ah non, c'est même pas un getter, c'est juste un mec à part.
Est-ce qu'on se fait le guetteur? Le mec là-bas. Y'a pas de guetteur? Ah si, y'a un guetteur là-bas. Lui, on va lui mettre un petit assassinat sur l'un des familles. Hop. Décès. Et décédé. Hop. Non, désolé, j'ai un cours d'histoire géo où on nous disait que décès était décédé. Désolé. C'est pas non plus ma faute. Ça s'avère plus compliqué d'un coup. Hop, on va faire les plans de vol. Bien si on pouvait utiliser les trappes qu'utilisent les Rooks et les Blighters, mais non, on va passer par là, c'est plus simple. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde ici. En gros, ils sont où les plans? Un plan. Un plan capillaire. Trop d'humour dans cette vidéo, vraiment. Ah, par contre, le reflet du soleil un peu dégueulasse, c'est vraiment pas cool. Vraiment, désolé, c'est pas cool. Par contre, ouais, il y a des reflets du soleil. Enfin, c'est un peu un grenier dégueulasse ici. Désolé. Partout en fait. Pas un endroit un peu plus. Ah voilà, là on est à l'air frais, tu vois. Hop, on va tuer le chef de bande sans se faire détecter parce que c'est la base. Et puis après, on va faire un petit peu de combat. Hop, et maintenant on peut pas changer. Alors, autant pis, on va finir en infiltration. Alors il y en a. Oh putain, il a mis du temps à arriver sur la tyrolienne. Oh. Je me casse, je suis pas là. Et d'où une intruse, elle a rien à faire là. Je t'ai dit, je suis pas là. Et je suis pas une intruse. Voilà, me spot peut-être pas trop. Tu comprends, bon, tu comprendras vite pourquoi. Hop, voilà. Merci. Pourquoi ici, si... Oh, si. Énorme. Énorme. Merci les flics. Vraiment, merci les flics. Mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est trop parti en steak. Normalement, ils devaient, pas faire ça. Oh, cucri de maître assassin. Oh, oh, je me touche les tétés. Ah oui, cucri de maître assassin. On va voir si on peut l'esquiver tout de suite. Ce serait vachement cool. Mais bon, d'abord, on va, vraiment bien remercier. J'aimerais vraiment remercier. Je voudrais d'abord dire merci. Oula. Bonjour. Déjà. Ah, ferme ta gueule, on t'arrache nous. On va t'arracher. Tu vas pas te rendre compte de ce qui va t'arriver. Y'a beaucoup trop de monde. D'où tu me plaques toi? T'as cru que c'était un rugby ici? Ah non, mais par contre non. Non, si on, part en rugby câlin là, ça va pas le faire. Hop. 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 Vinyl. Mais arrêtez de me plaquer. Attends, il va nous échapper. Elle va nous échapper, on va être obligé de la tuer pendant, pendant la guerre des bandes. Ce serait quand même pas cool. Allez, viens par là. Par contre, ça prend 20 ans. Il y a beaucoup trop de monde ici. Ils sont, où sont les Rooks? Où sont les Rooks?
Ah, c'est compliqué à battre. Il y a galère. Je suis en train d'utiliser toutes les touches de ma manette. Oh. Que font les rooks? Que fait la rooklisse? Avant, après, que fait la police? Que font les rooks? Voilà, je t'égorge, je t'étripe, je te fais tout ce que tu veux. Mais t'es morte. Chef de bande éliminé. Ah, oh, pardon, je suis pas là. Je vous avais pas dit. Oh, en plus, je gagne un petit truc et un petit. Alors, ça va être compliqué parce que. Hop, bonjour, t'es mort. Hop, je t'égorge, je t'égorge. Je vous égorge tous. Trop de desserts. Trop de desserts en même temps. Trop de desserts. Gros, j'ai abusé du dessert, j'ai mal au ventre. Mais énorme. On est en train de... C'est beaucoup trop. On est en train de... Utiliser toutes les techniques de combo de Heavy, c'est énorme. Vous avez vu ça? Ce qu'on a foutu. Attention, attention. And his name is John Cena. Tu. Là, j'ai vraiment cru que c'était John Cena, tu sais, qui était Heavy. And his name is Heavy Cena. Bon. Bah voilà, il nous restera ça, ça et ça à faire. On fera ça dans une prochaine vidéo. Et du coup, on va voir les nouvelles armes qu'on a eues. On va se foutre avec Jacob un peu. Donc on a parlé d'un Kukri de maître assassin. Kukri d'Henri. Kukri d'assassin. Ouais, intéressant. Kukri doré. Béni Kukri de maître assassin. Putain, faut vraiment que je passe niveau 8. Ça a l'air trop bien. Et après, c'est quoi? Mordantelé. Putain, mais après, on a beaucoup trop. Après, je crois que c'est Kukri d'assassin légendaire. Kukri splendeur d'aigle. Énorme. J'hésite entre ces deux-ci. Dès qu'on passera niveau 8, on aura déjà un truc de niveau 8. C'est plutôt cool. C'est frais. Ça, c'est niveau 7. C'est quoi qu'on a en ce moment? Attends, mais on a du niveau 6. Faut qu'on s'équipe niveau 7. Il faut qu'on s'améliore un peu, tu vois. Hop. Niveau arme à feu, comment on est? Popopo, c'est vachement bien. Ouais, on va aller là-dessus, je pense. Hein. Merci. C'est du niveau. Ouais, c'est notre niveau en plus. Ceinture. Hop, niveau 7 aussi. On fait que des trucs niveau 7, gros. Tenue, on va garder celle qu'on a maintenant, je pense. Ouais, je l'aime beaucoup. Hein. Je l'aime beaucoup la tenue de maintenant. Oh, j'aimerais trop voir celle-ci. Je sais pas comment on fait. Faut faire quoi? Augmentation de l'emport. Attends. Oh la flemme, faut faire un truc avec Ubisoft Club. Amélioration de borne. Qu'est-ce que ça? Ah, intéressant. Ça, c'est stylé. Lame émoussée, allez hop. Comme ça, ils nous mettront un peu moins de dégâts, même si il n'y a aucune chance qu'ils nous mettent des dégâts. Poudre défectueuse, hop. On farme le truc. Gros. Ah, j'ai eu peur. Fallait pas déconner.
Ah, on n'a pas trop fait gaffe au gantelet par contre. Ça fait longtemps que j'ai pas trop été voir les gantelets. Même si ça avance pas trop. Ouais, que des trucs qui coûtent cher et qui sont niveau. Il est niveau combien? Niveau 3 notre gantelet. Il faudra vraiment qu'on taffe sur un nouveau gantelet. Hein. Allez, bah du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ici, c'est une fosse commune de Blighters, gros. Alors bonjour. Le ministère de la Culture vous informe que si je vous ai enjaillé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Bleu comme votre tenue. Donc on est séparé plus que CM, non. Gros, j'aimerais utiliser mon grappin. Merci. Bah, si cette vidéo vous a plu, ce que vous faites, c'est que vous la likez. Ensuite, cette vidéo. Si vous voulez. Bah, vous la commentez, c'est important de commenter les vidéos pour que j'ai votre ressenti et que. Pour que j'ai votre ressenti aussi. Et aussi pour que j'ai votre ressenti. C'est assez intéressant aussi. Et surtout, vous la partagez. Important pour que d'autres gens découvrent ma vidéo. Et puis, bah, vous vous abonnez, gros. C'est pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué. Ah, j'ai cru que c'était quelqu'un qui courait dans la rue alors que c'était juste mon ombre alors. Allez go! Au revoir, peace!